On a pas mal d'informations intéressantes sur les personnages qui sont fans de, voilà, de films étrangers, fans de littérature, qui participent à une association, j'en sais rien. Enfin, c'est plutôt cool d'avoir ce genre d'informations. C'est vrai que ça a le mérite d'être là. Après, peut-être que ça ne sert pas à grand-chose. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que ça cache un peu les missions secondaires. Enfin, on a l'impression que c'est aléatoire. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'ils font apparaître les personnages comme ça, voilà, dans la rue, ils savent où on est à l'heure actuelle, donc ils font apparaître les persos qui débloquent des missions secondaires. C'est intéressant. Alors, la conduite de la moto, oula, par contre, ils mettent un temps... Ah oui, on va peut-être débloquer la barrière. Oui, c'est plus sympa quand même. Je voulais passer au-delà de la barrière, mais je suis Casper le fantôme. Oula, fou, j'ai évité les poubelles. Ouais, par contre, ça m'a... Ouais, c'est pour tourner le véhicule, c'est assez spécial. C'est où? Ah oui, jouer les grands frères. D'accord, j'étais passée à côté. Hop, voilà, c'est garé. Super. Allez, lance. Je suis pas allé voir Nikki depuis l'enterrement. Est-ce que je suis prêt? Au dernier anniversaire de Jackson, Lena avait chanté en apportant le gâteau. Elle chantait à tue-tête et pas très juste. Aujourd'hui, j'ai peur du silence. Ah oui, d'accord, il devait assister à l'anniversaire du fameux Jackson. Sachant qu'il est, voilà, c'est un peu son neveu. Il était de son devoir d'être présent. Et heureusement qu'on est en hiver, hein, parce que tu as l'air d'avoir bien froid. Mais par contre, j'adore la tenue. Elle est classe. Et je sais pas pour ceux qui avaient suivi, ouais, on peut dire dans l'imparfait, parce que je sais pas si elle passe encore sur TF1, c'était Person of Interest. Et il y a de grandes similitudes entre ce jeu-là et la série en question qui passait sur TF1 pendant un moment. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le doublage français, c'est exactement le même que le, voilà, la même voix que le doubleur français qui a pu doubler l'acteur américain dans la fameuse série Person of Interest. Donc je sais pas si vous l'aviez remarqué ou pas. Va-t-il à qu'un cimetière? Pourquoi pas? Je savais pas que les personnes avaient dans leur tombe un smartphone. Hein, ils sont très en avance sur leur temps. Alors par contre, j'ai pas trop suivi la série Person of Interest, voilà, je regardais ça comme ça, genre vite fait. Ah par contre, je passe pas par la porte d'entrée, ah non. Ah non, on est grand seigneur, on passe à l'arrière. Oh, je veux cette voiture. Tiens, girl, c'est ta voiture. Ça, elle est cool cette voiture. Tu vois, tu pédales et tout, t'es un peu écolo dans l'âme. Non, par contre, je suis dans le jardin des voisins, c'est un peu bête. Ah, c'est par où je passe, moi. Je suis peut-être un peu bête, mais bon. Ah oui, il faut passer sur le côté. En plus, on m'a montré pendant la cinématique. Ah, c'est sympa. Ok. Par contre, j'ai pas de cadeau. On y va. Je suis un peu méchant, quand même. 10 ans. Non, je pense plutôt que t'as 9 ans. J'ai 10 ans. 9. 10. 9. 10. Bon, alors dans ce cas, ça fait 10 guillis d'anniversaire. Et... Arrête, maman. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. Attends-moi une seconde. Tu sors de mon jardin. Ok, donc ça fait une année complète et... Et je suis en retard. Je sais, désolé, Nikki. Vraiment. Approche. Ah, son nez passé à travers de la capuche. T'as pris un coup de vieux. Oh, sympa. Merci bien. C'est son premier anniversaire sans Lena. Comment il va? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi. Yolanda dit que son silence, c'est sa façon à lui de garder le contrôle. Yolanda? Sa psychologue. Elle l'aide beaucoup. Ça marche, tu sais. Mais c'est long. C'est pas facile, mais on progresse. Jackson? Five. Pardon. Jackson,
J'étais obligée. Désolé pour le retard. Tu me fais un câlin. Oh. T'es... grand. Glitchwar, oh, il a l'air trop cool. Alors, t'as eu son quoi? Son personnage. Ah, le soigneur. Cool. Tu lui as offert un vrai jouet cette fois. Si t'allais jouer un peu dans ta chambre, je dois parler à ton oncle. Je te rejoins dans une seconde, bonhomme. Oui, c'est ça, girl. C'est bien la sœur d'Eden Pierce, en fait. C'est vraiment important que tu sois là. Mais je veux... Et oui, en fait, le petit garçon, c'est le neveu d'Eden Pierce, celui qu'on incarne. Et là, ça doit être la sœur d'Eden Pierce. Toi et Jackson, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Compte sur moi, je serai toujours là pour vous. Toujours à jouer les grands frères. Ah bah oui, franchement, moi, quand je fais un jeu, bah j'essaye de, voilà, de prendre mon temps, d'être... La dernière fois que j'étais là, c'était pour l'anniversaire de Lena. Jackson l'adore. Non mais voilà, j'essaye de vous montrer un peu le bon côté du jeu, vous montrer un peu une bonne humeur. Ça donne envie, voilà, ça vous laisse un bon souvenir en tout cas. T'as raté le meilleur. Les enfants ont joué au justicier, ils imitaient ce type là qui passe. Oh, t'es un peu dans le noir, toi. Laisse-moi deviner. T'as pas de fenêtre chez toi? T'as pas de lumière? Ils étaient tous le justicier. C'était moi la seule méchante. Ah bah ouais, t'as la tête de l'emploi, qu'est-ce que tu veux? Tu es méchante. J'ai bien résisté. J'aurais dû. Tu as une tête de méchante. Je les aurais prévenus. Faut pas chercher d'ennui à ma sœur. Voilà, bah voilà, girl. Voilà, t'as la réponse. C'est la sœur d'Eden Pierce. Tu te souviens quand toi et maman, vous étiez super malades et que papa voulait que tu manges ton gâteau d'anniversaire? Résultat, t'as vomi un truc violet sur la table du salon. Bonjour, bah voilà, nouveaux arrivants. C'est ça, papa. Pas le mec le plus sympa du monde, mais toujours là. Tout ça, c'est à cause de Maurice. Bon, je vais arrêter de radoter, moi. Oui, voilà, la nièce d'Eden Pierce est morte parce que en fait, il a voulu braquer, par exemple, une banque et il y avait un groupe adverse qui voulait braquer la même banque que lui. Ah, vraiment ? Ils ont voulu se venger et donc il y a eu un accident et la nièce est morte durant cet accident, d'après ce que j'ai compris, en fait. Bon, qui est à la Hello, Matt ! Un numéro masqué, ça se retrouve, vous savez. Mais Maurice, c'est de sa faute, hein. Tout est de sa faute. La voiture en plastique dehors, c'est de sa faute. Oh, on voit dehors, quand même. Mais je suis pas sûre que la police trouve ça très drôle. On voit même les gens dehors, à l'extérieur. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Vous êtes prêts? Je peux visiter chez toi? Sortez. Ça te dérange pas? Achetez-vous une vie, faites des trucs et arrêtez de m'appeler. Ah, il y a un harceleur. Elle va nous demander de... Je peux rentrer dans la chambre? Non, elle est fermée. La police peut identifier l'appel. Écoutez la conversation téléphonique de Nikki. Voilà. On va écouter. Et toi, ça va là? Tu vas te calmer? Dis-moi ce que vous voulez. Tu te sens en sécurité, Nikki? Ne t'inquiète pas, va se sentir en sécurité quand je t'aurai pété les deux rotules. N'importe quoi. C'était qui ça? C'est rien, c'est juste une blague. Ça arrive. C'est assez solide d'après toi? Attends, est-ce que t'as reconnu sa voix? Bon, Aiden, ça va là, c'est bon. C'est bon, apparemment il pense pouvoir entrer chez toi. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense? Tu vérifies la serrure. Écoute, je vais gérer ça toute seule, ok? On se passera de ton aide. Nikki, je peux retrouver ce mec. Aiden, putain, en fait, t'as pas changé, hein. On n'a pas besoin de ton aide. Je t'en prie, reste en dehors de nos histoires, parce qu'à chaque fois que tu t'en mêles, après, salut, c'est DTV. Un vampire. Vaut mieux que j'y aille. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Voilà, là, si ça... Non, c'est faux, je suis pas violente. Ah, par contre, je me suis fait un peu virer dehors parce que j'ai voulu la protéger. Mais tu vois, elle veut pas qu'on s'amuse à péter les rotules des gens. Je comprends pas. C'est marrant. Je vais t'en faire une. Moi aussi j'ai une blague. Retrouver, toi. Mais elle a pas aimé. Ok, on va retrouver le harceleur en question. Ah, te voilà. Oh, le flux. Oh, j'ai les yeux défoncés. Oh la vache. Ah, il est là. Vite, cours. Non, pas ça, pas l'arme. J'ai rien fait. Par contre, oui, c'est vrai que j'ai un peu l'habitude de sortir l'arme à feu. Faudrait peut-être que je fasse gaffe. On menace ma famille, encore une fois. Alors, parti.
Non, la cible ne s'échappera pas, puisque je la poursuis et que je vais lui péter les deux rotules, et je l'ai promis. J'ai promis devant tous les gens du chat. Viens là. Attends, je veux juste te parler. Je veux juste modifier un peu la couleur de ton véhicule et rajouter la magnifique couleur bleue de mon véhicule sur la tienne. Et juste te rouler dessus, comme ça, amicalement. Bisous. Allez, hop. Désolée, je me suis un peu ennuyée tout à l'heure. J'aime bien. Tu me rends vraiment dingue des fois. J'ai fait un hein, je suis juste en train de faire un coup de pression à la personne, mais bon. Ah, Zion qui tient bien, hein. Eh ben... T'es en train de le poursuivre ? Non, pas du tout. Mais oh, arrête, tu non, penses ça de moi ? Franchement. Arrête de jouer au héros, Aiden. Laisse tomber. Laisse quoi ? Oh, punaise ! Je t'entends mal, là, j'ai pas... Ah non, je me suis neutralisée moi-même. Tu m'entends ? Arrête-toi, je te dis. Allô ? Allô ? T'es toujours là, j'entends rien. Faudrait juste que j'arrive à le neutraliser. Mais genre pas avec la voiture quoi, avec les feux de signalisation là, comme j'ai fait. Par contre c'est moi, je me suis auto-neutralisée. C'est intéressant hein. Bah oui. Oh oui, c'est bon. C'est pris une voiture. Ah, ta voiture est en mauvais état. Vite. Non. Range le flingue. J'ai encore rangé le flingue. Ouah. Je veux pas lui tirer dessus, je suis pas comme ça moi. Moi, je suis une justicière. À la main. Je te fais tout à la main. Et viens là. Je vais t'avoir. Je vais te péter les rotules. Non, je t'ai vu. Et voilà, t'es au sol. Tiens, fais une jolie tête. On va mettre ça sur Facebook. Sur ton Twitter. Ha. Tiens. Je te quick. Allez, on a pris une magnifique photo de toi. La bouche ouverte. Hein, t'es beau comme ça. Hein. T'es mieux quand t'es au sol. Allez, hop. En photo, conclue. C'est magnifique. Ouais, c'est bon, j'arrive pas à croire que tu sois prêt à payer autant pour un coup de fil. Bye, Matt. Pierce, c'est ça. Je parlerai de sa serrure, comme tu m'as dit. Et de son fils. Mais son deck, c'est glauque. Exactement. Ok. Quelqu'un a payé cet enfoiré pour harceler Nikki. Donc quelqu'un... Qui serait prêt à payer pour un truc pareil ? Hey, y a du progrès avec DeadSec ? J'ai besoin d'accéder au site iOS. Oui, c'est en cours. Il vérifie ton dossier. Donne-moi un peu de temps. Bon, en attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu peux tracer un appel ? Comment je pourrais refuser ça à mon meilleur client ? Bon, il s'agit de quoi en fait ? Un type qui vient de menacer ma famille. Je veux savoir qui l'a engagé. L'appel provient de quelque part. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Mais c'est tout ce que je peux voir. Ok, donc si j'arrive à pirater le site iOS une fois dans le loop... Moi, je pourrais remonter jusqu'à la source de l'appel. D'accord. Bloom construit un nouveau centre CityOS dans le loop. Ça tombe bien. DeadSec a lancé une attaque dessus le mois dernier, mais on a raté notre coup. Depuis, la sécurité a été renforcée. Ça va pas être facile. Alors fais attention. Tu me fais penser à ma sœur. Détends-toi. Je ferai en sorte d'être armé jusqu'au dents. Ah, cette fois-ci, d'accord. Là, on va sortir les flingues, là. L'artillerie lourde. Ah, lui, il est suspect, là. Tu es suspect ? Non, je peux pas. Ok, alors je réponds juste aux commentaires et aux messages qu'on m'envoie sur le chat. Bloom engage des mercenaires pour surveiller les centres CityOS. Ces types sont bien équipés et parés au combat. Et moi aussi. Bonsoir, Cracotte. Voilà, je dis bonsoir aux gens que je vois, hein, que j'avais pas vu auparavant dans le chat. Alors, concernant les lives sur PS4... la qualité de ta diffusion va dépendre énormément de ta connexion internet. Même si tu choisis une haute définition, voilà, une définition assez, voilà, assez jolie depuis ta PS4, parce que tu peux choisir la qualité de ta diffusion, ça va dépendre énormément de ta connexion internet. Donc ça, tu peux pas y faire grand chose. C'est-à-dire si si Twitch ou ta connexion internet a décidé de rajouter plein de pixels, tu ne peux rien y faire, quoi. Ils essayent d'optimiser ton live, essayer d'éviter des coupures en réduisant un peu la qualité de ton live, mais ça, on peut rien y faire, quoi. Même moi, des fois, je suis un peu victime de la connexion internet. Même les gens qui sont sur le chat te le diront aussi. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un peu énervant, quoi. Ça supprime
Y a une certaine partie des gamers qui peuvent pas faire des lives parce que voilà, la connexion internet ne suit pas à côté quoi. Oh, par contre ma voiture elle est toujours en bon état, regardez-moi ça. Oh là là, magnifique. Oula ! C'est passé ? Cette ville est dangereuse. Cette ville est extrêmement dangereuse. Les voitures explosent comme ça, sans aucune raison. Je sais pas ce qui se passe, mais... Bah, est-ce qu'elle gêne ? Alors, mon ressenti sur le jeu, pour le moment, j'ai de bonnes sensations. Il y avait des personnes qui m'avaient dit, juste avant que je commence le live, que d'après les rumeurs, le jeu était assez moche. Dans l'ensemble, je trouve que c'est assez joli, même si, bon, voilà, on peut, par exemple, je sais pas si vous verrez, mais au fond, au niveau des montagnes, c'est vrai que là, c'est légèrement moche. Par contre, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez joli, c'est assez fluide. Après, je suis vraiment qu'au début du jeu, ça doit faire genre... ça fait une heure et demie qu'on joue ensemble. Voilà, j'ai commencé le jeu depuis une heure et demie, donc c'est un peu difficile pour se prononcer, mais pour le moment je trouve bien sympa. La qualité des visages est plutôt bonne, il y a une bonne synchronisation labiale pendant les cinématiques. Par contre, ce qui est un peu gênant, c'est au niveau de la conduite qui est vraiment étrange. C'est assez lourd, ça ressemble si tu veux à la conduite dans GTA 4. Voilà, c'est quelque chose de très très lourd, la voiture ne dérape pas, enfin on a l'impression qu'elle... Et elle met du temps à freiner, enfin, c'est pas comme dans GTA V par exemple. Si tu as pu essayer auparavant GTA V, c'est beaucoup plus... Je sais pas comment on pourrait dire ça. Ah, elles sont sympas les musiques. C'est beaucoup plus, je sais pas, strict, enfin, je sais pas comment dire, c'est très carré au niveau de la conduite, enfin, c'est bizarre. Ok, bon, j'espère que j'ai répondu à ta question, en tout cas, je le verrai. Bon, on va regarder ce qu'il nous reste à faire, les gens. Alors, sachant qu'il nous reste genre 30 minutes, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai bien envie de me faire la seconde mission principale. Je pense pas qu'elle va durer super longtemps. On se lance sur la seconde mission principale, c'est la mission la plus proche parce que j'ai l'impression que la mission secondaire que j'avais tout à l'heure a disparu. Donc à mon avis je serai obligée de la re-retrouver ou à part si elle apparaît déjà sur la carte, je n'ai pas remarqué en tout cas. Bon en tout cas, dis-le moi, vos impressions aussi, dans le chat, ce que vous pensez voilà, du live. Depuis le début j'essaye quand même de rendre cette dynamique même si je suis un peu, voilà, je suis un peu perdue. J'essaye de, voilà, de rendre ça très... Oh, haut-parleur Wi-Fi, où ça ? Musique ? Et moi, j'adore mettre de la musique partout. La musique que j'ai dans ma voiture, je veux que tout le monde en profite. Je dois renforcer mon armement. Oula ! Oula, par contre la texture, elle a mis du temps à arriver. Hein. Là, c'était bizarre, c'était un peu dégueu, là, quand même. Mais bon, ok. D'accord, là, c'est quoi ? C'est un magasin. On dirait pas ? On peut rentrer, d'accord. On peut faire le tour... attendez, je regarde un peu... Ah, on peut aller à l'arrière. Ah ok, mais ça c'est pour sortir. Ok. Ah, apparemment, il y a des trucs à... Ok. Oui, c'est ça Anaïs, on peut pas juger un jeu sur seulement une heure et demie de jeu. Après, comme je vous dis, je vais faire un let's play entier sur ce jeu. Voilà, je vous donnerai mes impressions petit à petit, ce qui me vient à l'esprit. Et je ferai un test, comme d'habitude, sur le jeu. Oh, merci, Mick. Alors, de campagne, ça, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, Anaïs, où ça peut se trouver. Peut-être par là, mais Parker Street. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que je vais sur une mission principale ou est-ce que je me balade ? Mais dans ce cas-là, après, c'est ça un peu le souci.
Mission principale. Alors, par contre, à Bascada, il va y avoir des missions secondaires qui vont arriver. Là, je suis vraiment au début du jeu, donc c'est sûr que là, pour le moment, voilà, on n'a pas l'impression qu'il y a énormément de missions secondaires. Mais par contre, voilà, j'ai vu vraiment une vidéo où il y avait des petites missions secondaires très, très sympathiques. Je vous en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu cette fameuse vidéo en question, mais je vous laisse la surprise, je vous montrerai tout ça en vidéo, comme d'habitude. Alors par contre, c'est normal que le live se pixelise, ben voilà, c'est en fonction des connexions internet, que veux-tu. Oh, tu joues un peu sans bouger. Oh, vous êtes marrant, vous. Ouais, bah après, ça, c'est les phases de conduite. Après, quand je marche, à mon avis, ça pixelise pas. Mais comme je vous dis, vous aurez une rediffusion en HD. Et là, il n'y aura pas de pixels. Dégueulasse. Voilà, voilà. Non, mais je peux rien faire, quoi. Enfin, j'essaye de faire ce que je peux. Mais bon, je peux pas, voilà. Je peux pas, quoi. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et là, je ne peux pas. Par contre, pourquoi je suis là ? Je dois acheter des armes. Ça doit être ça. Ah, ok. Oh, mais dis donc. Fusil d'assaut automatique. Alors, j'ai pas beaucoup de pognon pour le moment. Vous trouvez ce qu'il vous faut ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est super compliqué là. J'essaye de gérer tout en même temps, c'est-à-dire commentaire, faire le live, le commentary et tout ça. C'est... On va prendre celle-là. Allez, tiens, on aime bien tout ce qui dépote. Je suis à Maxi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Genre, je fais mes courses. Quoi. Ah, tiens, aujourd'hui, on va manger des patates. Plus communément appelé sous le nom de pommes de terre. Oh, il fait des soldes et tout. Mais t'es super sympa comme mec. Est-ce qu'on se lâche au niveau des armes ou est-ce qu'on se calme et on... Je crois que j'ai 3 armes en tout, là. Allez, un automatique et puis c'est bon. On arrête, là. Voilà. N'hésitez pas à revenir, surtout. Oui, je pourrais avoir une carte fidélité, Ces s'il te plaît. Dernières semaines, les centres CityOS de Chicago ont renforcé leur sécurité suite à une série d'attaques menées par le groupe DedSec. Interrogée à ce sujet, Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, s'est montrée catégorique. La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle CityOS a donc été doté d'un service de sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. En fait, Madame Gardner, ces gardiens de la paix sont d'anciens militaires devenus mercenaires. Certains ont un casier, vous confirmez ? En effet, ils ont servi dans l'armée, mais je ne pense pas que nous devons ostraciser des soldats qui ont fièrement défendu leur pays. Le réseau CityOS est parfaitement protégé, ce qui nous permet d'offrir aux habitants de Chicago le confort qu'ils méritent. C'était Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, sur la sécurité du CityOS. Alors CityOS, c'est entre autres le logiciel, le système de sécurité interne à la ville. Et là, il pleut, les gens. Mes prières sont exaucées. Bon, par contre, là, il n'y a pas d'effet. Il y a un peu d'effet de pluie sur le sol. On avait vu dans une vidéo les effets de flaques par terre. C'est pas le cas. J'aurais bien eu des flaques, moi. Moi, j'ai pris la version de base hein, au niveau de Watch Dogs. Hein. J'ai pas fait des folies non plus, entre autres. Alors, bon, bah apparemment, c'était une mission très très courte. Bon, bah, vu qu'il nous reste un peu de temps, on va essayer de... Bon, on va peut-être la passer au vert. Oh, oh, oh ! Je ne suis pas à l'origine de cet accident, c'est faux. C'est totalement faux. Les gens ne savent pas conduire dans cette ville. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. Ça, c'est sûr, hein, les gens ils conduisent pas. Pas super bien. Je suis la seule bonne conductrice sur ce jeu. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est plutôt cool de pouvoir faire la pluie et le beau temps au niveau des feux.
signalisation, c'est-à-dire par exemple s'il y a un bouchon au niveau d'un carrefour, c'est plutôt bien parce que là on peut vraiment déboucher un peu la rue et pouvoir un peu bouger plus facilement. Et par contre ce que j'aime bien c'est le fait que le parcours apparaisse sur la... Leur sécurité va être dure. Ah oui, en effet. Apparaisse sur le j'ai sol. J'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille. Oh, il est célibataire. Père célibataire. À qui appartient la voix de l'appel téléphonique? Ah oh non, je vais pas lui pirater. Oh si, son compte bancaire, et vas-y. J'ai besoin d'argent. Alors, où localiser un gardien disposant du code d'accès? Oh, il y a une... Attendez. Je vois. Je vois une caméra. Hop, c'est parti. Piratage complet.